Cette semaine, elles sont quatre à compétir dans le groupe B. MM1, Bagayogo Korotoum. MM2, Nguessan Christina. MM3, Batourou Traoré. MM7, Mawasila. Elles n'ont que 40 minutes pour sublimer la future mariée. MM1, Bagayogo Korotoum. Alignon, moi, Netoroyo Korotoum Bagayogo, Nebega participe Malimikov l'année MM1. Top, c'est parti! Il ne reste que 15 minutes. Découvrons les notes attribuées par les autres candidates. Aujourd'hui, lors du tournage, j'ai remarqué que le maquillage de la MM1 était beaucoup simple pour une mariée. Voilà. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé son teint, mais j'ai trouvé que son maquillage était trop simple pour un maquillage marié. Pour la note, je lui attribue la note de 2,50. MM1 comme maquillage, il y a une ninja terminale. Quand on a inspiré, on ne savait pas. Elle me trouve sous 5 dames. Bon, alors, maquillage, je dirais, bon, moi personnellement, n'était qu'à défoncer les bains, nous faisons. Moi, je préfère le naturel. Mais quand elle est dans le bain, il faut qu'elle ait un bon. Quand elle est dans le bain, elle est en train de contour maquillage. Et contour digna. Ama contour tiricana de la robe, ma dame. En plus de ça, elle a nous, et contour foncé la peau de la couille. Ani farima du ñona bon ne ko sobo defo on a pas faire fane bon ne wala nga bu ba te me o fane be se ka passer comme a ressource comme a te fane mais contouring man bon ne le de ridicule tout ba yo 2 sur 5
Bon, à ma nouvelle, parce qu'au début, nous avons fait la sourcil quand on s'est fait la sourcil et tout. Mais là, je pense que j'ai été dans le temps, donc je pense que c'est à la fois. Et puis, ma mari était toute jolie à Djaranyere. MM1, Bagayogo Kurutum. Voilà, là, c'est à moi. Et restez connectés, vous ne serez pas déçus. MM2, Nguessan Christina. Anissa Roman, netogoye Nguessan Christina, candidate Mali Makeup, nega numéro MM2. Top, c'est parti. Il ne reste que 15 minutes. Découvrons les notes attribuées par les autres candidates. Bon, MM2, je me suis dit que je suis un peu plus de temps. Donc, sur 5, je lui donne la note de 2. Bon, et je me suis dit que je suis un peu plus de temps. Je me suis dit que je suis un peu plus de temps. En plus de ça, Bon, là je suis de retour et franchement j'ai beaucoup stressé car je manquais de temps et j'ai plutôt bien aimé mon maquillage, donc je suis satisfaite, merci. MM2, Nguessan Christina. Donc tout le monde est là, je suis là pour me maquiller.
MM3, Batourou Traoré. Alignon, ma, nettoyez Fatoumata Batourou Traoré. Né candidat et Mali Mekop Lang, numéro MM3. Top, c'est parti. Il ne reste que 15 minutes. Découvrons les notes attribuées par les autres candidates. Alors, pour la candidate MM3, j'ai beaucoup aimé ses fards, mais j'ai trouvé que son maquillage était un peu trop fade, à mon goût. Du coup, je lui attribue la note 2, 3 sur 5. MM3, je lui donne la note de 3 sur 5. Ramegesh Chalani, parce que t'es noble, maman, à t'es chifali. Elle est restée naturelle et plus jolie, quoi. MM3 ga maquillage la ni mi famia la. Alors fone te ma e fane ganye kwa. Alors fone te ma e fane ganye. Ula mi tura su zeng da mi. Si sa ne re ga maquillage bana wa konta ni bari lu paske yin baron te yere dali nunga para ketala. Mwa ni mwa yin se nge do ni. Wa yi kom su alinye jiri kumga tuwa bo. Donc ayatu e fe mkol do sira sanfela la. Donc obligé là pour lui reprendre puis c'est une affaire intense. Bon et t'as quand même ça parce que différence c'est barré que la même totale non matière. Bon d'aller nous y aller là on a marqué à Gignan à faire. MM3 Batourou Traoré. Bonheur et n'ayant marqué à Gignan ça. Ça va aller. MM7 Mawasila. Netoro Mawasila. Né MM7 et mal make-up là. Top c'est parti. Thank you.
Il ne reste que 15 minutes. Découvrons les notes attribuées par les autres candidates. Bon, MM7 là. Par rapport à la candidate MM7, son maquillage n'était pas bien estampé. Surtout le nez, le contour du nez n'était pas bien estampé. Et les sourcils n'étaient pas égaux. Donc, pour cela, je lui attribue la note de 2. Si ça non, je suis en maquillage bella. Je suis en maquillage comme ça. Je suis en maquillage comme ça. Bena ni eri kwa ni nga fem beke ga ne bi fana ne rewon bulu no makeji nyana MM7 Mawesila. Qui des quatre candidates sera qualifiée pour les demi-finales? La réponse juste après la pub. Yiriden gere gere debe jitondo butelu kono abela timima anyulu risukandi awi avena malikono global business international jbi sababula awa santa chamansoro société mamadi yatasai et frère fille nous sigiro beninu davadani gidono dama samburu nyanga duga immeuble sans fait boutique duruna uganege jurusira bioron saba bikononto biolum flanfla mugan mulumfla walma Bikonanton Waro, Tanfla, Fu, Wolonvla, Tanchegi, Walma, Biolomvla Nuoro, Bikonanton Fla, Fu, Kele, Fu, Kele. Tando, Akadissa!
Découvrons maintenant les notes de notre experte, Niaka. Donc le thème de cette première édition, c'est Make-up marié et les candidates seront notées sous trois critères. Créativité, rapidité et technique. Alors maintenant, on va passer à la notation du groupe B et on va commencer avec la première candidate qui est Kolotumu Bagayoko. Alors, ce que j'ai apprécié premièrement avec Kolotumu, c'est qu'elle a utilisé donc une éponge sur le visage de la candidate pour pas abîmer ce qu'elle avait déjà fait. Donc les cils étaient bien placés. Après, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites choses que j'ai pas trop appréciées. Donc c'est premièrement, le teint il était pas assez estompé. C'était un peu trop clair pour sa carnation. Le concealer en dessous des sourcils était beaucoup trop clair et ça, ça se voit. Donc il faut faire très attention quand on nettoie les sourcils. Il faut utiliser maximum deux teintes plus claires que sa carnation, sinon ça se voit et c'est pas très joli. Les sourcils étaient pas assez naturels, ils étaient un peu trop foncés. Donc ce que j'ai apprécié aussi par contre, c'est qu'elle a utilisé la technique du cut crease au niveau de la paupière. Et je trouve ça audacieux parce qu'en 40 minutes, c'est assez compliqué. C'est une technique qui demande un peu plus de précision que les autres. Et donc j'ai aimé en fait le fait qu'elle prenne ce risque-là. Même si c'est vrai que ça manquait un petit peu de travail et que ça manquait c'était pas très bien estompé, mais au moins elle a pris ce risque-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lui donner la note de 5 sur 10. Donc on va passer à la notation de la candidate MM2, une question Christina. Alors ce que j'ai apprécié dans le maquillage de Christina, c'est que dans l'ensemble du teint, c'était assez soft, assez naturel, c'était pas trop. Ensuite, ce que j'ai moins apprécié par contre, c'est la couleur du fard à paupières que j'ai pas vraiment aimé. Sachant que la mariée, elle avait les cheveux rouges, j'aurais aimé une couleur un peu plus neutre. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que la couleur du nude sur les lèvres, c'était très joli. Ce que j'aurais apprécié aussi, c'est qu'elle fasse les sourcils un petit peu moins foncés, donc un petit peu plus soft. C'est vrai que moi, je ne le dirai jamais assez, mais une mariée, enfin, j'aime quand le maquillage il est assez soft. Tout le monde sait que c'est la mariée déjà, donc pas besoin de mettre trop de couleurs ou d'en faire trop. Ce que j'ai apprécié déjà, c'est qu'on peut voir qu'elle nettoie bien la peau, elle applique la base. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, ce que j'ai moins apprécié, c'est l'eyeliner qui aurait pu être un petit peu plus travaillé. Donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de mettre la note de 6,5 à Christine. Donc Batourou Traoré, candidate numéro MM3. Alors ce que j'ai apprécié avec le maquillage de Batourou, c'est qu'elle a utilisé une technique de cut crease, donc complètement ouvert, sachant que c'est une technique aussi qui demande beaucoup de temps, beaucoup de précision, donc j'ai aimé le fait qu'elle prenne ce risque-là. Elle avait aussi donc un modèle qui avait une peau foncée, donc ça demande aussi quelques techniques, ça peut être assez complexe. Donc j'imagine qu'elle avait aussi ce petit stress-là. Ce que j'ai apprécié aussi, donc, c'est les lèvres, la couleur de ses lèvres, les lèvres nudes, qui étaient très jolies. Le cut crease aussi était assez joli, ça manquait un petit peu de précision, et au niveau de l'estompage, c'était pas très bien estompé. Donc au niveau du concealer pour les sourcils, le concealer était beaucoup trop clair par contre. J'aurais aimé qu'elle utilise un concealer qui était moins clair, donc deux teintes plus claires que sa carnation, ou voire même une teinte. Et voilà, donc c'est le problème que j'ai eu par rapport aussi au niveau des sourcils. J'aurais aimé que la forme des sourcils aussi se soit un petit peu plus harmonieux par rapport à ses yeux. Le dernier point, j'aurais aimé aussi qu'elle ajoute un trait d'eyeliner. Vu que la modèle, elle avait vraiment de grandes paupières, j'aurais aimé qu'elle ajoute un trait d'eyeliner pour la continuité un petit peu du cut crease. Donc pour le risque qu'elle a pris pour le cut crease, j'ai décidé de lui attribuer la note de 7,5 sur 10. Ensuite, en ce qui concerne le maquillage de Mawasila, donc candidate MM7, alors ce que j'ai particulièrement apprécié avec Mawa, c'est sa technique. Donc même quand elle tapotait quand elle appliquait le fond de teint, elle tapotait le fond de teint et elle n'étirait pas le fond de teint. En ce qui concerne le concealer aussi, donc elle prenait le soin de bien tapoter. Ça se voyait qu'elle prenait vraiment son temps en essayant d'être rapide. Après, il y a quelques petits soucis par rapport au maquillage, donc en premier lieu, les sourcils. La forme était jolie, mais c'était pas assez rempli, surtout au niveau du haut.
petit bémol par rapport aux sourcils. Ensuite, le teint qui était beaucoup trop clair. Le fond de teint, il était trop clair. Et j'aurais aimé aussi qu'elle estompe un petit peu plus. J'ai trouvé que c'était très joli, les lèvres un peu rouges, un peu glossy. Donc j'ai beaucoup aimé les lèvres, je trouvais ça très joli. Dans l'ensemble, le maquillage, il était joli, mais c'est juste que c'était un petit peu trop clair. Voilà, j'aurais aimé qu'elle choisisse des couleurs un petit peu plus adaptées à la carnation du modèle. C'est pour ça que j'ai décidé de lui donner la note de 6,5 sur 10. Les deux candidates qualifiées pour les demi-finales sont MM3, Batourou Traoré. MM7, Mawasila. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la compétition.